Merci un peu parce que vous avec nous une fois encore pour l'émission Prépare Point sur télévision Pacifique. C'est rendez-vous pour nous discuter sur la situation du pays d'Haïti, rendez-vous pour nous faire réflexion qui mérite faite sur le développement du pays, sur l'évolution de la société. Je dis à nous de parler sur le paquet de promesses qui étaient faites à Peuple Haïtien, tant que promesses pour mettre manger dans l'assiette Peuple Haïtien, et puis nous regarder quelques stratégies. Président Jovenel Moïse avec de l'autre association dans la société civile là apprend pour yo on ti gens concrétiser ça a été fait comme promesse. N'a mettez focus sur un projet, c'est la renaissance qui voyageait à travers le pays d'Haïti pour financer quelques initiatives de jeunes gagnants en termes de création d'entreprises ou bien on t'a dit de renforcer une série de business qui ont ti gens tap marché beauté. Nous avons reçu la coordonnatrice Renaissance Haïti, c'est Carmélie Montuma, qui va parler nous en long et en large de projet ça, de initiative ça, de ça déjà réalisé, puisque dans plusieurs communes pays d'Haïti, donc dans Pilate, dans Dondon, dans Camperin, ils ont arrivé à financer de jeunes qui ont gagné de l'idée business et peut-être que ça va avoir un impact sur le développement pays. Peut-être que ça va renforcer la production dans un ensemble de filières, dans un ensemble de domaines. Nous avons fait un zoom sur le projet ça aujourd'hui. Merci pour ce qu'on a avec nous. Nous avons tout à l'heure pour le développement. Avec nous pour l'émission Prépare Point. Aujourd'hui, on a recevoir Carmélie Montuma, qui est coordonnatrice Renaissance Haïti. C'est un plaisir de recevoir Carmélie. C'est un plaisir tout pour moi là avec vous aujourd'hui à Prépare Point, Kendi. Et je salue tous les spectateurs télépacifiques. Parlez-nous de Renaissance Haïti, projet ça, association ça, qui ça a fait, qui ça a déjà fait et qui ça nous visé comme résultat global pour le pays. OK. Association Renaissance Haïti, au fait, m'a dit l'écrit en créole, Renaissance Haïti, en créole, c'est une association qui montait comme une structure autour de concours Renaissance que nous avons organisé actuellement dans le pays, surtout pour la section communale. Donc, Renaissance Haïti, lui-même, c'est une structure socio-économique qui l'a pour supporter. Pour encourager une opportunité, surtout, j'en ai dit opportunité pour tout le monde, quel que soit dans le domaine, mais nous surtout et aller sur l'agribusiness pour le moment. Et concours Renaissance Haïtien, il était initié Campirin. Et effectivement, c'est moi-même qui suis venu avec l'idée, avec le projet, parce que moi j'ai gagné pratiquement 2 ans depuis que je suis retourné Campirin. Je suis allé travailler là moi. Et par rapport à voyage que je fais à travers tout le pays, en tout, parce que je suis 10 départements, ça fait que moi, j'ai toujours chita à réfléchir qui ça nous capable de faire pour permettre vraiment un développement global qui fait. Au lieu que nous toujours été sous ça pour tout point, ça décider pour voyer, ou bien que c'est ONG qui vient, porter des projets pour nous, et puis qui aller par la suite par un suivi. Qui ça que nous capable de faire qui pour développer. Et c'est comme ça que je suis mon cadeau m'écrit en pile, en pile projet. Et c'est comme ça que je suis venu, c'est en avril 2017, vraiment, je suis m'écrit et concours en Renaissance. Là. Mais il faut que je commence à parler de ça avec des amis et des ONG que je suis en contact avec eux. Ou je n'ai plus le monde qui dit, c'est une belle idée, ça capable, mais ou pas jeune vraiment financement. Et c'est au mois de décembre 2017. Dans le cadre de travail, la caravane n'a pas fait Campirin. On a fait bétonnage en bacan, on a mis l'asphalte sur la partie dans la route. Là. Et tout le bon drainage qui a fait dans la ravine, là, et on a mis tout en poule électrique sur une bonne partie dans le centre-ville. Là. Et c'est dans le cadre de ça que j'ai rencontré avec le conseiller spécial, le président, qui c'est M. Adouin Zéphirin. Et moi, j'ai abordé un soir pendant le béton brassé. Étape supervisée. Et puis moi-même, je connais tout, j'ai une formation de journaliste. Même si je n'ai pas vraiment travaillé sur lui. Et moi, j'ai demandé lui, est-ce que caravane, c'est seulement venu faire béton dans la ville, dans mettre lumière, parce que je n'ai pas manger ça. Yo. C'est vrai, yo, bon, c'est infrastructure, mais après, je n'ai pas manger. Il faut
faut gagner l'autre bagaille qui fait. Et puis c'est comme ça lui dit non mais nous gagner l'autre et bon on volet économique dans caravane que nous besoin exploiter. Mais il a cherché proposition, il a cherché idée parce que il fait le vin dans sud de te rencontrer avec une chambre de commerce et entrepreneur dans zone là pour garder qui ça capable proposer pour yo capable injecter des fonds dans département. Et puis moi tout parler lui de idée ça que moi t'ai gagné et puis lui vraiment prend temps pour le tendre mais faut me dire dans un premier temps il était un petit peu qui ça madame ça me dit là on comprend et il toujours répété le tout parce que assez souvent mon abordé ou mais c'est chaque mon abordé pour faire pas. Et puis c'est comme ça, moi prends temps pour bien expliquer. Et il dit, son belle idée, est-ce que vraiment penser son bagage qui est capable de faire? Parce que le monde bat le montant, il trouvait que le montant vraiment bas. Et moi dis, par exemple, et normalement, prix nous balance 200 000 gouttes par projet. Et il dit, moi, que projet au compte vini, puis lourd que ça, est-ce que vraiment il y a un bagage qui est capable de réaliser? On dit 7 gemba qui va réaliser avec lui parce que moi-même moi qu'on recevoir des demandes de financement qui beaucoup plus bas que ça que des associations des groupements qui besoin réaliser dans zone yo. Donc c'est comme ça li vinn di n'a pour parler sur ça n'a pour rencontrer effectivement le lendemain li rele m nous reparler sur ça et puis li di m font proposition et li pral chercher support auprès du président pour que yo financer ça et c'est comme ça nous vinn lancer. Et ça fait que nous t'es dérapé dans Camperin avec voilà nous t'es dérapé combien projet voilà nous t'es dérapé dans Camperin et moi t'ai proposé pour nous faire Camperin comme pilote suivant j'en réussi et depuis le départ moi t'ai dit c'est du bail capable faire à travers pays et nous t'es dérapé Camperin en février côté nous t'es lancé concours là forme jour et attente là t'es vraiment dépassé le nous réunis mon nous parce que nous t'ai fait invitation à toute association. Parce que nous pas limité concours, il y a particulier, il y a une association, il y a un groupement de base. Et il est capable de venir participer. Et la première rencontre, là, vraiment, de faire le Fréto Manaï Club, vous connaissez qui c'est. Et nous avons vraiment gagné une réponse assez large. Deuxième fois, nous faisons rencontre, nous sommes venus avec le même engouement, nous avons aimé l'idée. Et dès le départ, il a dit, madame, si nous avons 200 000 gouttes là, nous avons tout pris en réaliser. Mais nous faisons formation pour nous pendant longtemps. Pour nous faire comprendre que l'idée, c'est sortir dans la question assistante. Pour que nous ne pas toujours penser qu'on va venir pour ton corps Bali pour faire un petit projet et puis le projet arrêter là. Parce qu'assez souvent, nous avons monté des projets, nous dit qu'on va faire un petit dispensaire. Et puis, nous faisons un dispensaire vraiment dans la zone. Mais après, nous campons là. Ou juste un immeuble blanc, mais pas grand encore. Donc, c'est ça que nous voulons éviter. Nous faisons comprendre que nous voulons rentrer dans le business. Nous avons moyen en deux sections communales pour nous faire des business parce que nous avons demandé pour service. Besoin est là, mais pas grand bah, qui répond à nous. Nous parlons de qui nous sélectionné l'idée yo, ou bien le projet. Yo, on dit plan d'affaires, yo, si nous avons comme ça. Est-ce que ça fait selon une évaluation sur. Besoin population ça en termes de développement. Tout à fait. Et nous faisons nous venir, nous disons nous premièrement faut que c'est un parce que nous des idées de projet parce qu'on pas qu'à dire vraiment plan d'affaires nous pas pas vraiment à niveau pour monter un plan d'affaires parce que c'est après des fois nous travaillons qui sont plan d'affaires là avec eux. Donc nous disons tout faut que idée son idée que nous vraiment voit qui viable qui rentable qui a bail travail et que vraiment il a réalisé en dans section communale parce que pas oublier que nous mêmes ça nous visait c'est mettre activité en dans section communale pour permettre de développer puis une autonomie. Donc nous venons avec des projets que il capable réaliser en dans et besoin c'est besoin vraiment qui en dans section communale et nous avons un jury de 5 monde qui c'est mon campérin et par la suite nous avons deux autres monde qui était c'est un monde nord-est un monde nord qui était venu rejoindre nous qui t'ai participé mon yo présenté projet yo nous t'ai bailler un canevas qui gagne grand point yo pour yo rentrer donner yo ensuite nous font premier tri parce que t'ai gagne des projets c'est des projets sociaux c'est des bail que par exemple nous t'ai joindre un jeune qui t'ai venu dans un projet pour le faire une toilette communautaire dans zone
c'est vraiment son bon projet ou besoin dans la zone là, mais il pas en business. Il pas business. Et tu gagné par exemple on casait avec groupe qui t'est venu pour on tronçon route. C'est vrai que c'est infrastructure li bon, mais après route la prête là, nous besoin vraiment que nous ait activité qui pour permettre yo. Et donc faut que c'est deux activités génératrices de revenus. De revenus, tout à fait. Donc une fois en premier tri, nous te recevoir forme de en inscription nous te gain 72 dans campagne. Entre association, groupement de base particulier. Mais nous venons recevoir 52 projets et nous te gain 39 qui t'est passé devant jury. En 39 qui passé devant jury, j'en connais te gain 4 qui t'est primé. Maintenant est-ce que gon budget pour chaque commune. Non. D'ailleurs, est-ce que c'est par rapport à nombre de projets nous recevoir pertinence, n'a demandé la présidence pour financer ou bien un projet très clair, un budget très clair nous dit pour chaque commune n'a dépensé tant ou bien n'a financé tant idée business. Voilà. Concours c'est pour section communale. Ça veut dire sous river non commune il y a 10 sections. Donc fonds supposé pour financer donc ça fait 2 millions de gouttes. OK. Si vous arrivez ces 5 sections, c'est même bagarre. Donc, vous juste multiplier par 200 000 gouttes prix. C'est comme ça. Donc, c'est combien de projets par section? Non, nous pas limiter quantité de projets. La seule chose, l'on a fait rien, nous voulons arriver à 10 projets par section. 10 meilleurs que nous avons vraiment parce que vous présentez le tout devant le jury, forme de ça. Nous avons venu, ce n'est pas seulement nous analyser. Le jury analyse les balles points. Pour nous, pour nous pouvons passer devant le jury pour venir kembe idée là pour venir soutenir. Donc c'est là tout son point. Ouais. Et Mkadou, ça qui est intéressant, Kenzi, à travers le pays, on pas grand rien pour envier à où tu as venu là n'importe où, est-ce que tu as fait un concours pour venir camper devant le jury la présenter. Il faut que tu aies des associations, tu connais ou pas capable de chercher des agronomes suivant le projet. Ingénieur, vous cherchez mon nom qui pouvait nous présenter pour vous. Vraiment, c'est un débat extraordinaire pour que j'aime tout la potentialité là. C'est juste que moyen pour mon yo mettre au lieu pour yo faire que opportunité ça yo sorti pas gagné. Mais ce que nous a dit son projet de la présidence. Je ne dis pas 100% le projet de la présidence parce que premièrement initiative là sorti de société civile parce que moi me dis comme ça. Et ils ont supporté, ils ont financé jusqu'à présent, ils ont financé, par exemple, dans le Nord, ils ont financé à 100%, quand ils ont tout le monde, tout le support sous lui. Mais en même temps, il y a des gens dans le secteur privé qui sont capables de rentrer là-dedans. Et nous avons quitté la porte ouverte pour eux. Nous avons, par exemple, Luxon Morin, qui est propriété de la différence de Bolet dans le Sud, qui est le monde Campérin, qui est avec nous et qui a décidé que lui-même, tout, l'a supporté un projet. Parce qu'en dehors de concours, là, nous faisons faire lien, nous primer un projet par section communale, mais il y a tout un ensemble de projets qui étaient qui vraiment besoin de support. Donc, on est capable de venir tout et puis on dit d'accord, Camille, un projet sur Pitimi t'a intéressé. Parce que Pitimi, nous connaissons Pitimi, a perdu dans le pays, un monde qui voulait faire production, et il y a l'autre bagage que nous sommes capables de découler de lui, il est intéressé. Et puis, projet ça, pratiquement, on venir, on finance. Donc est-ce que jusqu'à présent, ou même personnellement, comme vous expliquez nous que vous voyagez à travers le pays, ou qu'on a problème, ou qu'on a dévouement jeune, yo, est-ce que vous avez un cas particulier qui te marque, yo, soit à Dondon, soit dans Pilate, ou bien dans Campérin, un bagage qui montre vraiment jeune, vous avez de l'idée business, ou bien l'idée développement, et si seulement vous avez un petit bourrade, il y a qu'à arriver à faire un bagage en plus. Est-ce que mon cas est-ce que bon cap, pas, ouais, est-ce que bon tellement le, à travers depuis l'homme lancé concours à Campérin et nous avons organisé sur 4 communes dans le nord mon cas dit que vraiment oui il y a des cas mais c'est chaque cas on bagaille la caille par exemple l'autre prend 3e section communale Campérin et qui même c'est à partir de la ravine c'est la ravine qui sépare de reste commune là. Pas de bon moulin, mais il la donne. Et section ça, son section qui est assez grand. Et c'est pratiquement une zone agricole. Très agricole. Et qui produit un pile maïs. Moun yo, le sorti dans la troisième section, parce qu'on est plus en pente, en mode, nous sommes capables de dire. Moun yo, le sorti par exemple carré,
obligé de descendre dans le centre-ville de Tempéran pour venir dans Moulin, pour traverser la ravine. Là. On connaît que de nos jours, on n'a presque pas utilisé millet, cheval, bourrique encore. C'est surtout moto. Qui a un danger là-dedans parce que la pluie doit tomber. Pas de route, il glisse, il y a un accident qui a fait. Pas mal de monde a fini de traverser, il est en bas dans le Moulin, et puis la pluie a tombé. La ravine a descendu. Donc pour moun nan retourner avec charge, il y a son problème. Li gen doit sans attendre la traverser, c'est dans moment la ravine a descend. Et tout nan poté li pour tourner la calien, li mouillé, il perdu. Donc c'est l'organe dans concours hein, et ou pas gon boulanger tout. Donc si la pluie tombe, troisième section pas gen pain là-dedans. Moun nou c'est toujours et gagner un projet consacré venir son boulanger. Qui les mêmes pral gen accès à un crédit que m'pral expliquer au pied devant pour faire projet quand même. Et moun sa surtout yo qu'on a acheté pain juste Laurent sur Okay. Qui distance avec vrai. Bon, et l'a quitté troisième section, on quitté Okay là presque rive Cavaillon. Donc ça fait une trentaine de kilomètres s'il pas plus. Pour moun sorti pour y acheter pain parce que pain ça gon au fait les gon en qualité li capable kembe pendant un nombre de temps le fait que mon yo connaît que yo pas joine l'applicateur tombe yo capable joine pain facile donc yo préfère acheter pain ça et yo même yo vient avec idée faire mon boulanger a pour faire pain habituel là mais tout pour produire pain ça donc c'est des cas vraiment qui extraordinaire et si on prend cas par exemple jeune Peterson Minelas qui lui-même son jeune qui était gagné en poulailler, un projet poulailler qui s'est gagné en deuxième section bon pour qu'on deuxième section campagne assez grand et gon réalité que me découvre tout qui c'est section divisée par bloc parce que indépendamment de gens situés et des fois manquer et voie de communication entre des blocs en dans section lui-même li sorti dans zone qui est dans premier dans deuxième section et li te kon fè tellement le terrain mais ça il dit qu'on fait poule mon petit calor j'ai dit qu'on produit 20 poules mon petit calor j'ai fait avec un petit bout de tulle petit bout de tache et puis il vient participer dans concours actuellement la produit 500 poules chaque 22 jours donc quand même ouais que peut-être ou qu'a trouvé mon temps pas grand mais gain bagaille que il est capable de faire maintenant 200 000 gouttes par projet ou bien par le business ou l'idée business, son crédit ou bien son cadeau? Pour le monde qui participe dans le concours, son subvention qui est liée. Okay. Crédit, c'est on l'autre ligne de crédit pour ce que nous avons lancé là, qui est le crédit Renaissance. Nous relèvons le concours parce que c'est pour le monde qui participe dans le concours. Donc, nous entendons déjà avec un président sur ça parce qu'il était prêt lui-même pour lui faire un support. Li. Pour aider nous joindre fonds pour créer crédit ça parce que nous te dit quand même en essayant même gens nous essayer concours là jusqu'à présent nous avons réussi en essayer question crédit en tout pour nous permettre que nous vraiment rester la caillou nous joindre moyen pour monter entreprise et ouais production ouais ça est capable de faire donc crédit ça nous le crédit Renaissance nous joindre un protocole d'accord et nous joindre un accord en fait nous font protocole d'accord avec Capoza qui c'est caisse populaire de Tempéran côté que c'est yo pral gérer fond et nous pral gagner accès à crédit hein mais bien sûr nous pral gérer traiter li au cas par cas par exemple et système ça a permettre que moun nan pas commencer rembourser sous premier mois dépendamment de qui ça li gagne comme production et donc a gagne un temps de grâce qui pral traiter suivant ça moun nan gagne comme production et yo a gagne accès à crédit ça entre 150 000 goud et 500 000 goud que yo ap capable remettre et président lui-même te dit que crédit ça nous capable mettre là autour de 3% là mais jusqu'à présent il y a des études qu'a fait tout parce que nous avons l'autre proposition nous fait pour d'autres un crédit dans coup de jeunes qui bon, pas dit jeunes seulement mais de nous surtout parler de jeunes entrepreneurs de nos jours pour encourager yo pour que yo gain accès mais c'est des entreprises qui déjà marché pour gagner accès à un crédit de 500 000 gouttes à 5 millions gouttes. Et en tout cas, tu as commencé à travailler sur lui, qui a peut-être entre 5 et 7 % là. Donc, c'est pour dire que
le monde n'a participé dans concours, c'est vrai que il pas gagné, mais ça nous montre que nous fait, ça qui est passé devant jury hein, que nous tout juger qui vraiment viable, qui est capable par exemple boulanger Amzoul, il a bien accès à crédit hein, pour capable monter boulanger. Et gagner par exemple Mabaou dans c'est dans Saint-Raphaël, on peut gagner dans Pilat tout projet qui gagne qui c'est attelage. Alors il y a l'attelage, c'est ça nous relé charrue. Mm-hmm. Bœuf charrue qui pour mais maintenant ça qui arrivé le concours a fait nous dit est-ce que monde ça pas capable nous pas capable aider aux jeunes en subvention pour que yo acheter un tracteur à moteur. Mais réalité c'est que même tracteur pas arriver dans zone ça parce que nous li en pente Jean Lia c'est seulement bœuf qui capable essayer un business lié. Oui. Parce que mon c'est payé pour venir faire travail là pour lui. Oui, donc ça veut dire gagner en pile cas et regarder l'opportunité là. Donc tout le cas puis avantageux par rapport à milieu là. Voilà. Parce que faut gain gaz et gain entretien etc. Tout à fait. Ouais. Et j'aime dire zone ça nous te gagné sous zone ça moi nous te gagné au moins 6 ou 7 projets qui étaient venus gagné deux qui primé hein, gagné deux qui primé avec quatre l'âge. Nous allons recevoir Carmélie Montuma qui a parlé nom de Renaissance Haïti. On nous dit plutôt Renaissance Haïti. Qui c'est notre dire une association socio-économique et qui joint bénédiction la présidence pour marcher financer un ensemble de projets, un ensemble de l'idée business à travers tout le pays. Dame ça nous sûrement connait avec président Jovenel Moïse, on tient tout partout dans le pays à bail chèque pour jeunes entrepreneurs. Merci pour ce qu'on a avec nous. Dans ton état, le deuxième partie. Merci parce que vous étiez avec nous pour la deuxième partie, point par point. Aujourd'hui, on a fait discuter avec Carmélie Montuma, qui est coordonnatrice Renaissance Haïti, qui a, avec Bourad de la présidence, financé un paquet de projets business, un paquet de projets pour jeunes garçons et jeunes filles qui voulaient créer un petit business qui a fait quelques problèmes qui résoudent dans l'environnement. C'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Carmélie, ça fait déjà combien comme l'État a dépensé pour ensemble de projets non financiers? Ok, on dit pour prix, les pratiquement à 4 800 000 gouttes. Parce que j'en ai dit, là, c'est 200 000 gouttes par, donc ça fait par section communale. Donc, globalement, combien ça fait nous sur 24 sections communales. Okay. Nous fait sur, donc 24 projets? Oui, 24 projets, 24 sections. Donc c'est nous fait une cérémonie de remise de prix de 20 projets dans le nord qui sont 4 communes. Et nous gagnons par exemple Milou qui a 3 sections communales, ou gagnons Saint-Raphaël qui a 8 sections, ou gagnons Pilate qui a 7, et nous gagnons Dondon qui a 5 sections, qui fait 20 sections communales dans le nord. Et puis Campérin, nous avons fait lié, mais Campérin a une particularité, Campérin a 3 sections communales, mais nous avons fait lié avec Centre-Ville dans tout, parce que nous avons une demande là, mais nous avons Campérin, c'est ton pilote. C'est garder est-ce qu'on a toujours rentré centre-ville yo, mais on connaît même la réalité à pas même tout côté centre-ville toujours plus ou moins il y a activité là-dedans. Et l'idée c'est surtout permettre que section communale yo et yo même yo bénéficier de ça. Et mais forme de tout gagner par exemple déplacement nous qui prend en charge que me pas capable voir exactement un chiffre là pour qu'on y a parce que nous qui perdit tout. Et moins capable de dire, j'en nous fait là, nous pas fait vraiment son question de perdième. Nous faisons comme tu as dit ça, un budget global de qui ça capable bien. Et par exemple, moi à l'enorme, je fais de mai à mois d'août là, moi fais plusieurs déplacements dans l'enorme, moi une famille qui a accueilli moi dans l'enorme, sans que on pas le payer hôtel, m'a besoin perdième pour lui. Tu vois? Donc il y a ça et dans nord nous avons un coordonnateur qui sur place qui c'est monsieur Patrick Almonor qui depuis l'on a fait concours à Campérin était venu garder et parce que depuis le nous t'ai dit qu'il capable faire sur plan national
il gagne un conseiller spécial là monsieur Adouin Zéphirin qui c'est pas Zorelli bah l'interviewé côté identifié côté président pour permettre que yo financer lui qui te fait que monsieur Almonon vient garder avec nous depuis là nous travaillons ensemble toute l'année monter association toute bagaille nous te fait lien ensemble c'est lui qui coordonne pratiquement un concours là dans le nord qui fait que nous réduit question et coût parce que moi-même moi aller moi lancer dans communion que probablement dans tout l'autre qui pourra le faire pour obliger vraiment à lancer avant nous aller plus loin ça me dit c'est que nous pour laisser qu'on y a monté une structure nationale avec connaissance nous pour demander des jeunes volontaires qui voulaient rejoindre nous pour que suivant département devant zone non pour que eux-mêmes ils viennent représenter connaissance n'a fait formation pour tout ça pour que eux-mêmes soient capables de faire concours là parce que nous déjà gagné structure là depuis aussi structure là concours là capable de faire nous pas obligé c'est nous-mêmes qui déplacer à chaque fois qui pour faire les Maintenant, qui j'en ai choisi, département, commune, est-ce que c'est deux concerts avec la présidence ou bien c'est nous-mêmes qui décidons en ordre de priorité? Ok, voilà. Engagement président, je pense que c'était le 7 avril dans la cérémonie de remise de prix en campagne que le dédié. Concours, ça, il est capable de faire. Et la chercher fonds, la chercher moyens pour faire que vous faites sur tout le pays. Parce que l'on garde nos portefeuilles, nous gagnons nous avons 540 et section communale à peu près, si je ne me pas trompé. Donc, et si vous mettez, vous faites par 200 000, vous multipliez, il fait quand même un portefeuille. Et donc, non, peut-être qu'on va chercher fonds pour lui, mais il faut nous aller tout petit à petit. Parce que quand nous finissons faire lui, jusqu'à présent, il y a des bails que nous avons ces expériences qu'on a fait sur lui. Campagne de lancer parce que c'est moi-même qui t'ai venu à l'initiative là, il m'a dit que je vais faire la caille moi, effectivement, je vais réaliser la caille moi. Maintenant, le Nord, et M. Almonon était avec nous, et eux-mêmes, ils font études sur le Nord. Yo, par exemple, le département Nord, là, ils ont divisé li en trois grands blocs, si je vais dire comme ça. Ils ont gagné un bloc qui est très agricole, ils ont gagné un qui est plus touristique. Et puis il y a un autre qui trouvé qui gagne qui comme on mélange en sorte de production. Yeah. Donc c'est comme ça il était divisé li. Et c'est ainsi que tu es venu choisir commune ça. Par exemple Saint-Raphaël il représente une zone qui est agricole là, ou gagne Milo qui c'est touristique là et gagne Pilate lui-même qui gagne un autre aspect là-dedans. Dondon tu es venu parce que nous t'ai demandé par rapport à festival et des grottes que nous avons gagné et fait le 21 juillet. Donc, nous avons demandé et puis nous avons tout rentré dans le portefeuille. Mais c'est comme ça que nous avons choisi la commune dans Noyo qui toujours son phase pilote pour garder qui réponse qu'a gagné à travers les communes suivant besoin. Et très prochainement, nous allons lancer 5 communes dans le sud. Et qui c'est par contre c'est mon cas dévoiler nos là qu'on n'a pas fait des jaloux mais au fait c'est suivant une stratégie pour que dépendamment de ça mon qu'a produit et garder tout nous mêmes qui sont nous capables d'arriver à telle zone parce que faut nous dire clair association Renaissance Haïti jeune donc nous mêmes gagner des moyens que nous pouvons gagner c'est avec support la présidence que nous avons fait aider mon dans secteur privé à jambe qui vient nous rejoindre nous qui ban nous de support le n'a déplacé donc vraiment faut que nous capable gagner on structure si on dit nous aujourd'hui à NIP de camper étant moi même faut me aller NIP quitte à ce que c'est pour aller monter structure là pour quitter donc nous gain tout ça que nous devons mettre en place avant vraiment mais que nous en termes d'impact global peut-être que au paradigme qui budget nous gagner pour tout projet ça mais certainement c'est la présidence qui finance mais en termes d'impact global qui ça nous voulait joindre comme résultat d'abord est-ce que son projet nous visait étendre à tout le pays et deuxièmement qui ça n'a joindre comme résultat c'est-à-dire ça va faire beaucoup de millions et millions ça aussi dans le trésor public aujourd'hui qui ça en termes de développement n'a joindre comme impact global OK et faire
objectif même depuis l'homme d'appliquer le projet on te gain temps pas pour moi seulement c'est monté la caille moi même toi elle pas pour moi seulement on monde gain droit un monde maniche par exemple venir dit que me ta remet implémenter et puis gain droit c'est monde maniche qui va chercher fond pour lui faire gain droit c'est toute petite maniche qui met ensemble qui dit OK maniche gain trois sections communales n'a chercher mettre 600 000 goud là pour faire comme ça tout gain droit c'est député ou bien sénateur qui a dit il y a bail cob là. Donc objectif là c'est vraiment de permettre tout pays en bénéficier tout jeune ou bien association groupement de base bénéficier de ça. Maintenant j'en dis à ça fait un pile cob mais impact yo résultat yo déjà me kadou yo là. L'on prend par exemple me fait saut douli puis tes son minelas qui te qu'on fait 20 poules non caloge qu'on y a qu'à faire 500 poules chaque 22 jours. C'est déjà un résultat pour lui même en tant qu'entrepreneur lui bay travail parce que moun bon par exemple jodi a li ekrim li dim li en déplacement c'est l'autre monde qui était cap parce que il gagne deux espaces et pour donc gagne moun qui la connait cap travail pour prendre soin pour occuper de poule yo et l'organiser tout distribution en dans zone là. Dernièrement il était allé avec moi dans cérémonie de remise de prix hein. Comme un monde qui a servi de témoignage et on ka dou quantité coup de fil là pour savoir qu'il est pour lui préparer ou gagne un monde qui c'est machin restaurant machin manger cuite et gagne hôtel gagne grand restaurant qui a relé il gagne petit cage lui toujours à faire distribution donc et ça ouais résultat et qui permettent vraiment tout ça, on dit nous capables de ces productions locales, hein, que nous avons consommé un bagage qui est fait localement, au lieu que c'est pour le congeler tout le temps que nous avons consommé. Nous sommes capables de prendre un cas à Kassampam. Nous sommes capables de dire qu'il est innovant pour Kampéren, parce que nous consommons Kampéren, mais à Kassan. Mais c'est à Kassan qui tout paria. Et nous avons une dame qui est une icône Kampéren, qui est Idil. Idil Pierre, que tout le monde connaît. De voir le campagne, il faut aller dans la casse à Idil. Mais lui-même, il vient d'aider son jeune infirmière d'ailleurs, qui vient avec une idée pour le faire à Kassan en bouteille, ça veut dire acheter ou le faire à la caille. Il était commencé à faire, il y a réponse, mais il n'y a pas de moyens. Il vient dans le concours, il y a, ça fait que qu'on y a là, il y a un local, et il y a un stock, il est préparé. Dernièrement, on était en rencontre, il a dit que demande là qu'on y a commencé à dépasser. Libral l'a commandé un silo pour le stocker maïs. Pour le stocker maïs, qu'on y a ces monde l'a cherché qui pour bal maïs et maïs c'est maïs Kampéren l'acheter. Vous comprenez donc créer une dynamique qui crée tout une dynamique et troisième section qui gagne les maïs hein, faut voir qui gens ont tapé tête ensemble là pour garder qui gens et par exemple mon les maïs yo dit yo pral faire à Kassan pour vendre mon les le monde dans vienne dans mon les la besoin à Kassan pour l'acheter pendant l'aptan. Et qu'on y a gardé lui-même farine que libre a le besoin s'il a besoin farine s'il a besoin donc on voit c'est toute une dynamique qui crée autour de ça. Vous comprenez donc résultat yo c'est pas des bagages que peut-être on monde pour aller chercher inventer c'est des bagages qui palpables. Maintenant si on a regardé situation globale pays a des habitudes nous gain par exemple m'a constaté dernier temps ça yo c'est tout le temps entendu, il y a lancé des séminaires sur l'entrepreneuriat, ça vient tout le monde qui est à la mode. Les séminaires sur l'entrepreneuriat, des fois, on dit tout qui est très cher. Très cher. On a demandé qui est l'objectif là tout bon. Comme on lance un projet comme ça, et certainement on a besoin des résultats, peut-être que faut mesurer par rapport à ça, dépenser, mais il y a des résultats quand même. Je fais appel à jugement personnel. Vous dites, selon même qui ça. Qu'est-ce qui manque vraiment à toute jeunesse ça, qui est très dynamique, qui gagne toute l'idée, toute rêve, qui ça fait nous pas avoir une dynamique globale dans le pays de création de PME. Les moyens. C'est ça plus manqué selon moi. C'est ça me doute les moyens parce que j'ai une gain idée. Moi-même tout me participer dans concours, une gain idée. Mais pas les moyens. Et nous connaît joindre prêt ici. Surtout avec banque, institution financière, si on regarde ça, pas facile. Des fois, il y a un collatéral, des fois, il faut commencer déjà.
et forme du tout gagnon on va n'a travail avec sous lui et avec la présidence c'est question l'homme on a monté entreprise yo comme que ça coûtait à travers ministère commerce et DGI que nous pral garder qui j'ai capable vraiment permettre que moun yo gagne un système spécial qui monte pour que l'homme on a monté entreprise ça yo pour que capable on c'est pas que pas payer du tout mais pour que vraiment yo gagne un bagage qui assez raisonnable un montant assez raisonnable payer et là regarder où river des côtés dans des zones où nous produit chocolat nous consommer chocolat en pile et à l'étranger quand le monde nous vient toujours de là-bas d'où vont ti chocolat pour étranger à venir le braler il y aller avec chocolat par exemple pilate moi t'ai étonné ouais ça moi sous route pral pilate c'est comme si dans un jardin botanique quoi flâner t'es vraiment émerveillé c'est tellement vert tellement vert toute soude là l'on braler ou apprendre vraiment qui côtoyer tellement c'est naturel il va garder gain en pile pied cacao en dit le mot en pile pied cacao donc des fois c'est ou fait tout ou fait des mettre à courir c'est beaucoup de cacao seulement à courir donc cacao là mais moun yo yo besoin moyen vraiment leur fin transformer li pour yo capable écouler OK moi même pratiquement goûter chocolat tout pays me songe le mal lancé concours là c'était au niveau Saint-Raphaël un jeune qui vini qui dit madame mon pote ça bon goûter puis tout bon mon petit boîte chocolat qu'elle fait il dit il pral participer dans concours là parce que yo dit le chocolat là bon il m'a dit goûter il était vraiment bon mais qu'on a les besoin moyen pour écouler vers le nord et Port-au-Prince excusez donc j'aime tout là c'est moyen mon manqué donc est-ce que expérience n'a fait là à travers pays a li inspiré nous sur des modèles qui peut-être est plus efficace que ça n'a fait qui pas forcément un crédit pour start-up est-ce que ça inspire nous des modèles qui étaient plus efficaces ou plus originaux oui que l'état lui-même était utilisé exactement et forme donc que il y a une autre proposition que nous fait et n'a travaillé sous avec la présidence que nous supposé lancer bientôt et parce que nous même c'est moi n'a cherché pour nous pour nous bailler jeunes avec entrepreneurs et par rapport à expérience j'aime d'abord auparavant ou grand pile jeunes qui ont des projets qui ont un business qui est capable de faire business, mais c'est moyen qui manque. Et accès à crédit n'est pas facile. Moyen ou pas facile, nous tout le monde comme ça. Donc, ça n'a pas été créé, c'est venu avec des initiatives, même j'en ai fait concours. Parce que concours, nous faisons dans un niveau qui est plus bas, dans la section communale. Et maintenant, nous gagnons que moi-même, je relève le crédit intermédiaire, mais pas grand-chose que je vais arrêter sur nom ça. Pour qui ça me dit l'intermédiaire, c'est parce que après qu'on finit un niveau, mon ça cap produit, ou gagner équipe monde qui en dit qui est en distribution, qui capable acheter produit ça à le revendre, et comme ça tout le monde doit gagner en plus forte production, et donc gagner à mon ces services livrant, quel que soit nous gagner plusieurs domaines, nous pensons que mon ça a vraiment besoin accès à un crédit pour capable faire plus. Donc c'est comme ça nous fait proposition ça et nous gagnons un forum que nous pour aller lancer que pour faire sur tout 10 départementaux mais maintenant c'est pour des entrepreneurs qui déjà eux même gagnent une entreprise qui en fonction c'est pas vraiment start-up pour que vraiment que mon ça gagne accès à un crédit sur un nombre de temps j'aime des entre 500 000 et 5 millions de gourdes si c'est pas plus même pour que vraiment yo capable créer une activité pour capable en production nan men yo ou bien des services qui vraiment capable répondre à besoin yo parce que l'on a regardé de nos jours avec technologie qui avance gen moun qui yo même yo gen shop yo c'est online ça yo les shop online là on n'a pas besoin gros espace qu'on a les juste rete les gen WhatsApp les gen page sur Facebook et puis il y a vendre il y a vendre gagne monde tout c'est dans événement gagne monde c'est décoration gagne c'est transformation gagne c'est dans transport que yo y et on bagage qui a évolué en pile en Haïti connia c'est
ça nous relie par exemple yo fait détergent et liquide bah ça yo nous commencer faire en pile en Haïti donc c'est tout ça pour nous essayer garder qui sont encadré yo pour production locale là vraiment fin gon au niveau assez élevé pour nous capable gain suffisamment pour nous-mêmes pour nous consommer et c'est parce que nous consommer extérieur en pile qui fait que couyo de jour en jour yo a augmenté et c'est permettre que vraiment que mon gain moyen et ça fait nous relier les opportunités pour tous quel que soit niveau mon faut qu'il capable d'une opportunité pour que rêve li arriver réaliser. Merci beaucoup Cornelie Montuma. Merci Kenzi. Merci tout le monde qui t'a suivi point par point. C'est un plaisir de t'a présenter au numéro ça pour nous te faire un petit bras. C'est l'idée avec Cornelie Montuma qui t'a présenté nous Renaissance Haïti qui a financé avec concours la présidence sur ensemble de l'idée business KPD jeunes qui gagnent de bons idées dans tête yo mettez un petit business campé qui a servi communauté et qui a bail résultat certainement dans plusieurs filières dans plusieurs domaines. Reste à savoir qui impact ça va gagner globalement pour tout le pays. Merci tout le monde qui t'a avec nous, à bientôt pour notre numéro. Thank you.